à tous. Bon bah première vidéo sur ma chaîne. Donc là on vient de passer la Loire, je vais rejoindre deux potes là pour faire un petit tour sur la côte, ça va faire du bien, il fait super beau en plus. C'est vraiment un temps de faire de la moto, on croise pas mal de moteurs en plus, c'est super. On a prévu d'aller sur la Baule, enfin eux ont prévu d'aller sur la Baule. On verra, je pense qu'on ira sur Guérande, les marais salants, ça va être sympa. Du coup là je suis pas loin de chez eux. Je vous dis à tout de suite. C'est énorme, c'est déjà venu, je serai chez eux à 13h45 et il est 13h44. Je suis trop bon, je suis le meilleur. Est-ce qu'ils sont déjà de sortie? Oh là là. Ils sont à l'affût. En fait là on a pris la direction des marais de Brière et on a croisé un groupe de moteurs là devant. Donc ça a l'air de respirer en plus, pas mal. Comme quoi tout le monde va être de sortie ce week-end, ça fait plaisir. D'avoir une Ducat, la deuxième moto là-bas. Ouais, monsieur P va enquiller tout le monde déjà. Ah, il est à deux, mais hein. Lui, il faut le suivre. Il a à peine 50 chevaux. Et quand il en aura 100, voire plus, putain. Je ne dis rien. Que je vous disais, comme quoi un 2 à 2 c'est pas tellement respectueux, ça me fait bien rien. Enfin bon, on est tellement bien là, tellement bien, les gens qui pique-niquent tranquillou. Ah, il est déjà reparti hein, c'est pas possible, on a le temps. À la base c'était une balade tranquille hein. C'est la balade bucolique du dimanche. Une 9,99 Terminioni. L'embrayage à sec. On l'entend d'ici. Enfin, moi je l'entends en tout cas. Ouais, c'est devant. Voilà, le but de la chaîne c'est un peu de vous montrer ça quoi. Enfin, des motos comme ça, hyper soignées. J'ai l'impression qu'elle sort de concession la machine. Allez, on quitte le port de la Turballe et puis on file les marais salants. Comme ça on aura fait la Brière, les marais et les marais salants. De Guérande, du Pouliguen, ça va être sympa là. Ça va être sympa. Alors on est dimanche, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus de monde à se promener sur la côte et en fait que dalle. Ouais, c'est un peu de monde quand même, mais même en période de déconfinement ça marche, les gens sont pas touche touche, chacun profite de l'air frais. Mais et encore de la belle moto, enfin pour ceux qui aiment Harley bien sûr. Allez, on laisse passer le tête de file et c'est parti, direction les marais. Non, on a de la chance d'habiter la Loire Atlantique, c'est chouette, la côte elle est chouette,
on va dire le sud Bretagne, hein, parce que hein, ça doit être le Pouliguen, c'est pas la Bretagne pour certains. Et il fait super beau, super beau. Bon alors ça, ça a tous les avantages et désavantages de moto et voiture, c'est pratique. Je suis vraiment pas fan de ces trucs là moi. Mais par contre j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Il est en plein craquage. What? C'était pour ça en fait. Alors là, c'est des routes sympas, par contre si tu coupes, bah, tu plantes ta moto là-dedans quoi. Donc faut pas trop essayer. Gâché, et ouais, ça va pas arrêter d'arriver. C'est le problème, faut pas venir à des heures comme ça où tout le monde vient se balader. Ouais, regardons ce que tu fais, toi. Et ouais, les deux mains sur le volant, ça sert aussi des fois. Non mais tu voyais rien, ouais. Et après t'avais, on avait 4 voitures. Non, t'avais le coureur en break rouge. Bon allez. Ça où? Pouliguen. Mais il n'y a vraiment personne au final. Et encore un deuxième, un try. Ah, j'ai même pas dit bonjour, c'est con. C'est vraiment con. Bon bah je pense que tous les Parisiens sont rentrés chez eux, hein, clairement. Ils ont pris leurs petites vacances pendant le confinement et puis sont repartis travailler. Hein. Oh, les dodas de monstres ici. Ça te claque le cul tout le temps, c'est horrible. Bon, la plage est à 30 mètres à droite là en finale.
pense qu'on va s'arrêter au Remblai. Faire couper la route par une Porsche, ça serait cool quand même. Là on arrive à l'hôtel Barrière. Ah, est-ce qu'on a du lourd devant? Bah non, parce que tout est fermé. D'habitude ici il y a plein de bolides d'alignés. Oh, il s'énerve encore monsieur P, c'est les vacances, tranquille, c'est le week-end. Bon là par contre on a la boule. Est-ce que comparé aux plages qu'on vient de voir? Allez clignotant toi. Alors je dis ça mais le mien il s'est pas mis non plus. Et voilà la boule. Ouais ça va encore je trouve. D'habitude c'est blindé, blindé, blindé. Et là ça va. Il y a des petits paquets mais personne, mais ça va. Ce qui me choque le plus, c'est que ouais, les gens portent pas de masque, c'est pas grand chose sans déconner. Qu'est-ce qui nous fait Ils laissent passer les minettes. Ah. Il veut faire un tour dans le centre-ville, monsieur P. Ah, il y a du contrôle de la police municipale. Même son Tessan ronronne bien quand même. Provence aussi. Alors monsieur Pelli va tous les jours il va toujours au bout avec, donc la bécane en je sais même pas un an, elle s'est pris 20 000 quoi. Donc il change tous les ans, il devrait changer là très bientôt justement avec sa passerelle à 2. Vers A du coup. Il y a quand même des magasins d'ouvert sur l'avenue de Gaulle quand même. La vie reprend un peu. Putain, les suspensions de la street là-dessus, c'est pas tip top mais ça va encore je trouve. Ça reste une moto qui est pas tape cul je trouve. C'est un roster sportif mais... On fera pas des longues balades dessus, ok, mais elle reste quand même confortable, je trouve. C'est un peu la petite M2 turquoise, là. Là, ici, l'été, c'est un peu le boulevard de parade, on va dire. Des belles autos. Encore faut-il savoir se garer pour pas créer de bouchons. Mais ouais, très peu de gens avec des masques quand même. Alors le truc de kéké que j'adore faire, c'est me regarder dans les vitrines. Oh, qu'est-ce que je suis beau! Qu'est-ce que je suis trop beau! Qu'est-ce qu'il veut faire, monsieur P, là? Tu veux faire quoi là? Ah oh, putain! Ah le sketch! Oh.
pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la batterie va me lâcher. Bah, abonnez-vous, mettez des commentaires, des pouces bleus, et puis bah, à la prochaine, hein, en Loire-Atlantique toujours, ou dans le coin pour des balades. Allez, à tous, tchuss.